Bonjour et bienvenue. Je vais vous partager une petite séance de sport à la maison avec deux torchons et ça va être dans une formule Tabata. On va commencer avec ce qu'on appelle buy-in. Donc, ces trois exercices, il faut faire pour acheter, enfin, pour avoir le droit de faire la suite. Donc, on va commencer au moment où vous êtes déjà échauffé. Donc, échauffez-vous sinon. Alors, on va commencer avec 10 pompes. Donc, le buy-in, c'est 10 pompes en premier. Donc, vous faites des pompes aux genoux, des pompes aux genoux de coller, des mains un peu plus écartées que des épaules. Donc, bien calé, on va faire 10 pompes ensemble. 1. Exercice pour avoir le doigt pour faire la suite, c'est 20 curtsies. Alors une curtsie, un gros pas en arrière, genou gauche vers le côté droit. Come over here and I'll help you. Et on va juste baisser le genou tendre. On va faire 20 de chaque côté. 1, 2, 3, donc ça ressemble à ça. 4, 5, 6, 7, c'est vraiment le fessier gauche, 9, 10, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 de l'autre côté, donc un gros pas en arrière, 1, 2, let me see, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Le troisième exercice pour pouvoir faire la suite, c'est une planche. On va amener le genou au triceps gauche, genou droit, triceps droit. 1. On va faire ça, en tout 12 fois. 4, 5. Alors, si vous êtes au genou, ça ressemble à ça. 6, 7, 8, nombre bien carré, c'est 10, 11 et 12. Super, vous avez complété le buy-in, vous avez acheté le droit de faire la suite, le Tabata. Pour Tabata numéro 1, on va avoir 3 Tabata pour un total de 12 minutes. On va commencer tout de suite. Alors, Tabata 1, on va avoir le torchon sous le pied droit. Super. On passe le torchon derrière, curtsy. On ne tendre pas la jambe, on passe le pied droit à côté. 1, on continue. Alors, 10 secondes. Alors, on va rajouter des bras. Écarte les bras, pliez. Écarte les bras, pliez. Écarte les bras, pliez. C'est bon. 10 secondes de repos. Prochain exercice, 2 torchons sous les pieds, en planche. Les fameuses mountain climbers. Alors, 20 secondes. Alors, si vous n'arrivez pas à tenir planche, travaillez votre planche en statique, tout simplement. 2, 1. On va rester sur le même côté pour la deuxième fois. Donc, le pied droit derrière. Et on écarte les jambes. Les bras et les jambes.
écartée, mais je ne tendre pas ma jambe gauche. Donc ça va commencer d'accumuler en intensité. C'est que 20 secondes, je peux faire n'importe quoi en 20 secondes. Je peux tenir. Et c'est fini. On retourne, revient vers les climbers, les mountain climbers, grimpeurs de montagne. Et go. Moi, je commençais un peu avant, mais bon. Alors, les fesses. Ah. Les jambes bien calées. Les fesses pas plus haut, si vous voulez, mais jamais plus bas. Hein. Deux et un. On va commencer sur le côté droit. Donc, on amène le pied gauche derrière. On fait un curtsie et on écarte. La jambe droite. Ne tendre pas. Commencez. Dix. You want to come here and I'll fix it? Huit. Sept. Trois. Deux. Et un. Donc, on revient vers les fameuses mountain climbers. Et on commence en trois. Deux. Un peu plus vite cette fois. You want to come over here so I can fix it? Yeah. You gotta push there, look. Uh-oh. Oh. There. There. Six. Cinq. Trois. Deux. Et un. Donc, toujours le côté droit. Je vais commencer. Vous voyez que je touche un peu les genoux avec contrôle. Vous pouvez faire ça. Sept, six, bon, j'en ai presque plus. Deux et un, dernière fois, mountain climbers. Et on a fini la première. La Tabata. Cinq, je vais commencer tout de suite moi. Et ça commence maintenant. Six, trois, deux, un. Super. Bon, vous avez fini la première Tabata, deuxième Tabata. Alors, pendulum lunge. On va commencer avec le côté droit. On va faire une feinte en avant. On ne tendra pas la jambe gauche. Feinte en arrière. Si vous le souhaitez, bras tendus et un ninja. Comme vous avez la paix. Jedi, au-dessus de la tête, fais un petit cercle au-dessus de la tête et ok, ça c'est premier exercice, deuxième exercice, les deux jambes sur les torchons, expire, genou vers la poitrine et on revient, fais un petit cercle avec les genoux, tendu, genou, reviens, petit cercle, tendre, genou vers la poitrine. Mi-chemin, un petit cercle. Planche. Je vais vers la poitrine. Mi-chemin, petit cercle. Donc on revient au pendulum. Je vais rester sur la même jambe. Vous pouvez changer. Je suis sur la jambe gauche. Petit fond en arrière. Je prépare mon épée. Et je tourne. La cuisse qui est avant. Et je ne tendre pas. La jambe gauche. 3, 2 et 1. Super. Reviens vers les petits ours, on va dire. On va aller en ours. Tendre les jambes, genoux vers la poitrine. Milieu, les petits cercles à l'extérieur cette fois. Tendre, genoux vers la poitrine. Milieu, vers l'extérieur. Tendre, cercle vers l'extérieur. Vous allez me remercier quand on ne reste pas ici 20 secondes. Ok, donc on va changer de jambe. Donc je vais être sur la jambe droite. En ninja, pendu. Fin vers l'avant. Coup de pied. Et derrière.
10 secondes. Je ne tendre pas la jambe droite. Les deux jambes poussent pour avancer le torchon. Et on revient. Presque fini avec la deuxième. Pas trop mal. Marche. 3, 2, 1. Genou à la poitrine. Au milieu, petit cercle vers le milieu. Planche, genou, cercle, genou. Planche. Ok. Donc, toujours sur la jambe droite. Et mon petit pied. Et la dernière fois pour le petit cercle, je les planche, je la poitrine, reviens au milieu et vers l'extérieur. Planche et l'extérieur. Bien, ça fait 2 Tabata, donc on est à 8 minutes pour la dernière, hein? Pour la dernière 4 minutes, on va faire deux exercices sur le dos. Je dois régler ça. Encore une Tabata à faire. Alors, on est sur le dos et on va avoir le dos bien carré. On va lever les fesses, les pieds sont posés sur les torchons, tendre une jambe et l'autre. Et on descend la hanche qui a la jambe tendue et puis on revient. Comme ça. Vous allez sentir une bonne activation dans les ischios jambiers, dans les fessiers. Ok, et aussi dans les quadriceps. Bon, et tout ça. Deuxième exercice, pour moi, si vous avez des briques de yoga, cool, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous allez avoir les briques derrière, le cœur ouvert, les épaules bien engagées dans les oreilles. Inspire, pointe, les pieds, lève les fesses, expire, et on va pousser les fesses en arrière. Inspire, on peut écarter, et revient. Alors, c'est a lot of... Ok, donc, ok, good day, on lève, on recule les fesses, touche pas. Et on peut séparer des jambes, reviens. Si vous n'avez pas des briques et vous allez arriver vraiment pas, on va juste pousser, écarte et vous asseoir. Ok, on va commencer. 4 minutes de des deux exercices. On va commencer avec des petits ponts. Donc j'ai mes briques, tu es prêt? Les ponts. J'attends. Alors, je tends, je descends et je pousse. Donc, je repousse des hanches en haut quand je tire le talon vers les fesses. Je vais me concentrer. Alors, mes mains sont sur le sol. Apparemment, c'est là où on commence. Ou bien tendu. Alors, 20 secondes de ça. Nombril calé. Vous pouvez éviter que ça devienne un exercice de dos. Donc, vraiment, engager les abdominaux. Super. Alors, maintenant... Les petites planches renversées, les mains sur les briques, les droits de passe. Derrière, lève les fesses, reviens, lève les fesses en arrière, écartez. Alors quand on revient et on pousse les hanches en avant, les têtes en avant, les hanches en arrière, comme un contrepoids. Trois, deux, un, reviens au pont. Je vais commencer. Ok, maintenant, vous commencez. On peut toujours rester sur un côté aussi pour faire plus difficile. Je trouve que c'est plus cardio, plus dynamique de changer de côté chaque fois. Je vais aller rapidement. Et en même temps, vous faites briller le sol.
Alors maintenant, planche renversée. Je peux pas. Et maintenant. Et je vais décoller mes bras, hein. Si vous voulez que ça soit plus un challenge, décolle les bras. Vous avez juste les épaules bien calées sur le sol. Allez vite. Je vais enlever mes jambes écartées, je vais juste aller en arrière. Je sens que ça, c'est pas assez intense. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et un. Oui! Donc, dernière fois, les pompes. Je vais commencer tout de suite, moi. C'est fini. Alors, comme vous aviez les exercices pour acheter votre droit, pour payer votre droit, pour commencer cette séance, vous allez avoir des exercices pour en finir. Donc, on va avoir 4 minutes cette fois, c'est par rapport au temps. Donc, on a 4 minutes de burn-out ou buy-out qu'on va faire avec 50 secondes de travail. Eh bien, 10 secondes de travail. Donc je vais juste régler ça. 5, 4 exercices plutôt. Non, c'est 5. Alors, 5 exercices plutôt. Ok, donc premier exercice, on va rester avec les torchons. Premier exercice va être. Ah oui. Donc une feinte en avant. En fait, on a besoin d'un torchon. Feinte en avant. Faites en arrière, vous prenez le sol avec les bras, les pieds en arrière et le pompe. Alors, si vous n'allez pas faire, une feinte, restez avec la planche, pas de pompe, ou une pompe avec deux pieds. Alors, on va faire les deux jambes, donc ça fait deux. De troisième, je vais vous montrer après. On va avoir des genoux calés. Alors, si ça vous fait mal aux genoux, cherchez des serviettes bien épaisses. On va juste flexer les pieds. Et on va revenir écarté. Revenir écarté. Vous allez tourner les pieds bien les cuisses. En adduction. Abduction, adduction. Après, c'est un pump. Au genou. On va écarter. Et puis on va écarter et pump. Bien les pompes bien écartées. Épaules, épaules, les oreilles. Et puis, voilà, vous allez voir. 5 exercices, on y go. Dans 10 secondes. Premier exercice, on va commencer avec la jambe gauche, comme on l'avait fait avant. Alors, torchon sur la jambe droite, feinte en avant, feinte en arrière, main sur le sol, pied gauche en l'air ou pas, une pompe. On va continuer comme ça pour le prochain 39 secondes. Alors, première pompe, j'aime beaucoup que je touche le nez. Alors, souvent, je laisse les traces. Les traces, c'est rigolo.
seconde. Vraiment tout le corps cardio. Et le bon gainage sur les cuisses. Alors, 10 secondes, changez de côté. Donc, devant, derrière, les mains sur le sol, les pieds droits arrière, une petite pompe avec une jambe. Expirez quand vous sentez l'effort. Faire du sport à la maison avec les enfants, ce n'est pas évident. Surtout quand on a envie de filmer. Alors, écartez les bras et descendez. Faites briller votre sol. Donc, c'est un truc que vous pouvez faire en faisant le ménage. 20 secondes. Et là, je vais essayer de voyager un peu plus. Couvrir plus d'espace sur le sol. 10, le chien, 5, 4, 3, 2, et 1. Ok, dernier exercice et puis on a fini pour aujourd'hui. Alors, c'est le planche renversé. Bon, on recule, on monte, on place les fesses et on lève les pieds. Super. Donc, on recule, on monte, on place les fesses. Et un teaser. Alors bien évidemment, le teaser va être un peu plus difficile peut-être pour certains. Ça peut être juste les orteils sur le sol. Aura des tibias parallèles. Pousse les fesses, recule les fesses et touche les orteils. Pousse, recule. Asseyez-vous. Teaser. 11. Teaser. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu, de faire du sport avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et un bon joyeux confinement.